Bonjour les amis, de retour sur la suite de mes aventures de Lego Star Wars Saga Skywalker. Donc là, je suis accompagné d'Anakin, Padmé et R2-D2. Et là, je dois aller sur Tatooine. Donc, allons-y. Je peux vous déposer là où vous avez besoin. Donc, bon, voilà, revenu sur ma planète d'enfance, Tatooine. Qui va là? Touchez pas à ma marchandise, à moins que vous comptiez l'acheter. Donc nous voilà sur Tatooine et je vais donc commencer mon chapitre qui s'appelle Le Cauchemar. Annie! Le petit Annie! Tu as drôlement poussé! Un Jedi! Voyez-vous ça? Ma mère, où est-elle? Je l'ai vendue, il y a des années, à un fermier hydroponique, un certain Lars. Les affaires sont les affaires! Où se trouve leur ferme? Oh, très loin d'ici. Va dans le désert et cherche les vaporisateurs hydroponiques. Tu les trouveras là-bas. Oh, j'ai déjà sorti le sabre rouge! Besoin de traverser la planète? Je suis votre droïde. Allez, go! Ça va pas être trop long. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Bienvenue dans le désert de Tatooine. Du sable à revendre et du fun aussi, si vous aimez le sable et les Jawas. Donc me voilà arrivé à un nouvel endroit sur Tatooine.
Il paraît qu'on peut trouver des convertisseurs d'énergie ici. Je suis venu de Mos Espa exprès, mais ça a l'air fermé. Bon, je vais admirer le paysage. Le paysage désertique. Aride. Je t'ai sauvé. Je suis à la recherche d'un contrebandier. Mais j'imagine que ce n'est pas pour vous. Je suis à la recherche d'un contrebandier. Mais j'imagine que ce n'est pas pour vous. Je suis à la recherche d'un contrebandier. Mais j'imagine que ce n'est pas pour vous. Non. Je suis sur la piste d'une bande de pillards toscans depuis quelques jours maintenant. Il me semble qu'ils se sont installés à flanc de falaise dans le canyon Sud. Ils volent les voyageurs de passage se rendant en ville. Si tu trouves leur camp, prends bien soin de leur montre et ce qu'on pense des voleurs. Attends, comment on met la carte? Non, c'est surtout je veux la mission. C'est une petite mission annexe, ça, ça devrait être sympa. J'imagine que vous avez vu ce truc de cristal ? Je suis encore en train de me demander comment le récupérer. J'ai passé tellement de temps dans le... Eh, hey, vous me le diriez si vous étiez un mirage, non? Ah, super. Ah, j'aime bien les petites missions comme ça. Quand t'as pas les bons droïdes et que t'as pas les bons persos, tu peux faire demi-tour. Tout ceci, ça doit être des trucs en mode jeu libre. Huh?
on monte là-haut maintenant. Eh merde. Bah ça va péter à la gueule ça. Ces pillards toscans ont construit leur camp juste en face d'une vieille tombe. Et tu sais ce qu'on trouve dans les tombes, n'est-ce pas? Des trésors! Mais aucune chance que j'aille titiller ces toscans même pour un trésor. Ouais, pousse-toi, je vais y aller. C'est un campement de pillards toscans. Il abrite non seulement des hommes, mais... Si vous savez utiliser la force, alors les droïdes peuvent vous être utiles. Il vous suffit de nous faire voler jusqu'à l'endroit de votre choix. Pratique, n'est-ce pas? Le sable s'infiltre vraiment partout. Allez, nous continuons le chapitre. 3 PO. Le créateur. Oh, mais Fanny, je savais que vous reviendriez. Owen Lars. Ma mère est ici? Non, elle n'est pas là. Shmi est ma femme. Elle était à mi-chemin de la maison lorsqu'ils l'ont prise. Une meute de pillards toscans. Où est-ce que tu vas? Chercher ma mère. Ce qui t'attend là-bas risque de ne pas te plaire. Ah. Je vais chercher ma mère. Maître Anakin, je pense sincèrement que vous devriez... Viens, 3PO. Tu m'accompagnes. Ah, Seigneur. Je sens quelque chose. Par là. Ma mère est ici. Quelque part. Maman ? Ah, Seigneur.
Pourquoi n'ai-je pas pu la sauver? Anakin, mon émetteur a été endommagé. Retransmets ce message à Coruscant. La piste du chasseur de primes Jango Fett m'a mené dans un immense centre de clonage sur Kamino. Puis au fond de l'hydroïde de Geonosis. Le comte Dooku y forme une armée de droïdes. Attendez. Anakin, reste où tu es. Protège la sénatrice, coûte que coûte. Nous allons nous occuper du comte Dooku. Ils n'arriveront pas à temps pour le sauver. Je vais secourir Obi-Wan. Si tu veux me protéger, il faudra que tu m'accompagnes. Allez. Padmé, tu as entendu Maître Windu. Il m'a ordonné de rester ici. Il t'a ordonné de me protéger. Maintenant, allons-y. Obi-Wan est en danger. Allons sauver Maître Obi-Wan. On ne peut pas dire que l'accueil soit très chaleureux. Oh mon Dieu, cet endroit a l'air dangereux. Vous savez, il n'est pas encore trop tard pour faire demi-tour et... Cette vapeur là, ça pourrait être une usine. Merde. On ne va quand même pas descendre, si? À moins que tu ne préfères entrer par la porte principale. Allez, Obi-Wan doit être quelque part. Et voilà les amis, je vais donc m'arrêter ici sur cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de mes aventures sur Lego Star Wars. Portez-vous bien. Tchuss. Et passez aussi un bon week-end de Pâques. Ainsi que joyeuse Pâques à tous mes abonnés.